Hey, yo tout le monde, c'est Sylvain. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de GTA. Alors j'ai eu quelques petits soucis, donc ma sauvegarde ne s'est pas réellement sauvegardée, donc j'ai tout perdu, j'ai dû tout recommencer. Malheureusement je crois que j'ai un peu avancé plus qu'il ne fallait, donc je vais vous rappeler un petit peu où j'en étais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tout premier braquage, donc de la bijouterie tout simplement. Tout s'est bien passé avec Michael. Avec Michael. Ensuite, je suis arrivé dans le désert pour découvrir Trevor, qui s'en est déjà pris à des personnes parce qu'il voulait s'en prendre à lui, tout simplement. Et là, eh bien, on va continuer, tout simplement. Allez, let's go. Donc, il faut aller là-bas. Alors, donc, étant donné que j'ai changé de manette plus de casque. C'est tellement mais réaliste maintenant, les vibrations et tout, c'est juste waouh. Voilà, je m'extase sur un petit truc à la con. Ok. Bon, on va passer un petit peu le cinématique. C'est pas non plus important. Suivez Cletus. Ouais, Cletus, bien ou bien, refait. On va tirer sur qui? Ah oui, il faut tirer sur les... Faut tirer sur les trucs, je crois. Il a déjà tout ça comment, Trevor? Aïe ah, ouais. Et d'une. Et de deux. La dernière, elle est... Et de trois. Ok. Should be more fun than a barrel full of pussies. Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. Ok, on va aller au motel abandonné. Faut l'attendre ou pas, Cletus? Ouais. So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ok, donc ça se voit, il est beaucoup plus réactif. Ouais. Oh. Ouais. Bon. Il nous raconte sa vie, comme quoi que la chasse allait bien, etc. etc. Et motep. Eat local, small batch, farm to table bullshit. You know. I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. Here we are. I bet you never shot out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Sur quoi va-t-on tirer? Alors, ah, je crois qu'il faut tirer sur des chacals ou des trucs comme ça. Ah non, des bagnoles déjà, ok. Ouais. Oh yeah. Et j'ai loupé aucune voiture, mon ami. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Ok, donc le mec il a l'air un peu d'être paumé, lui. Next on the hillbilly anarchist agenda. Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man. T'es là quand même une sacrée calve au centre. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Oh, des mouettes. We'll get a better shot from up here.
Allez, dépêche, Cletus. Dépêche, ma boy, dépêche, mon diable. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Et de un. Song dog and another. Bon, hop. Oh! That should do it. La doublette! I reckon you Oh! should tag along next time I go hunting out at Palito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text. Il veut m'emmener chasser le wapiti. Alors la mission, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, bah oui, tout en or. Très très bien. L'option mouvement autorisé avec l'arme zoomée se trouve dans la caméra. Ok, bon, on s'en fiche un petit peu. On va aller chercher notre véhicule. Le prochain point, il est ici. Ok. Pourquoi je suis en première personne? Je sais pas. Turbo compresseur et châssis de qualité pour votre véhicule. Ouais, il y avait le train, c'est pas grave. On est passé quand même. Allez, on va continuer. La prochaine mission, on va ranger quand même mon arme. On va faire le thug. You sure as shit are one dumb ignorant white. La ferme de O'Neill, je dirais. Oh oui. Bon, pour bien la faire correctement, il faut être silencieux. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de faire la mission en étant le plus silencieux possible. Oh, O'Neill. Oula. What the fuck? Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, Bella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a... What? Pourquoi il y a un avion ici? You got when I'm done. Oh là là. Oh c'est sérieux, j'ai réussi à me bloquer là-dedans dans le cours d'eau. Voilà. Bon, nous arrivons tranquillement. On va déposer le petit véhicule ici. Bien sûr qu'on va grimper sur la colline. T'as agréé quoi, grand fou? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas... J'ai que le sniper. Ok. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it. Tais-toi! Et on avertit personne. Malade, va. Il est fou, lui! Idiot! Oh, y'a masse de monde là! Mazette! Comment j'ai tous ces flingués, moi? Sans me faire voir.
Comme ça. Ta gueule. Non, il a alerté tout le monde. Bon, attends, il faut que je la refasse. Allez, tue-moi, les yeux, motiep, et motiep, et motiep. Bon, on va la refaire. Clac, clac. Une balle dans le cul, il est mort. Clac. 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 C'était très très chaud. Mais ils ont tous fermé leur petite bouche. Bon. Ok, on continue. Ah, il y a les mecs là-bas. Que je peux quand même passer par la porte ici ou pas. Ah ouais, j'ai qu'un vilain fusil de sniper. Ok. Bon. On va essayer de rentrer. Ah ouais, mais rentrer par là, ça va être tendax. Ok, bon. Alors je crois qu'il y a un mec à l'étage. Exactement où, je ne sais plus. Mais il est plus là, je crois. Non, il n'a pas l'air d'être là. Ok, bon. Je vais prendre mon temps de pas me presser. Ah oui, mais les deux portes, elles sont toutes les deux fermées. On m'a fait peur, lui. Il me fait plus des coups comme ça, mon cousin. Hein? Non! Non, ils ont averti tout le monde, Boba. On va faire la manière forte, hein? Ah, Boba, non, on va pas faire la manière forte. Alors, le problème, c'est qu'il a averti tout le monde. Je vais recommencer où, moi? Ok, j'y recommence de l'extérieur.
Ça me fait recommencer. Quoi? Il m'a vu d'où? Ah ouais, bon allez tant pis. On va y aller à la mania forte, hein, voilà, Emotep. Toi, t'es derrière la porte, mais tu vas mourir. Ok, il va faire le tour. Voilà, toi je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Mais ouais, attends. Il tire à travers. C'est sérieux ça? Mec, il tire à travers les murs. Toi tu meurs. Hop, toi tu meurs aussi. Hop, aïe. Attends, j'ai vraiment un shoot de poney moi. Toi tu meurs. Y en a un autre à droite. Il est au fond de la pièce, je crois. Oh là là, Trevor, recherche plus vite ton arme de juice. Attends, j'ai pas une autre arme. Ouais, on va prendre celui-là. Putain, j'ai cru qu'ils avaient rien entendu. Hop, toi tu meurs. Ok, toi tu meurs, il y en a encore un là. Toi tu meurs, une bonne fois pour toutes. Y a pas de heal, y a rien. Attends, je vais essayer de trouver du soin. Ah là. Voilà. Attends, t'es sérieux, le mec il travaille tout habillé. Ok. Ah ouais, ils m'ont mis un bon en arme. T'inquiète, Roya, on va tout faire flamber. On va suivre tous les petits points pour tout faire flamber. Oh oui, c'est sûr, ils doivent sentir ça. Et on tire. Touk, touk, touk. Burn, you disrespectful pricks. Oh oh. Il a tout déglingué, Trevor. Ah ouais, il a tout déglingué.
Bon, je crois que je l'ai pas faite, hein. Tir en tête, indemne, précision, ouais, je l'ai pas vraiment faite. Bon, on va aller en direction de la prochaine mission. Qui, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être qu'il y a encore les O'Neill qui vont revenir. Eh, motif. Alors, la prochaine mission, elle est... Bon, il y a un point d'interrogation, donc on va y aller. Je sais pas c'est par rapport à quoi, mais on va quand même y aller. Hein. Des champignons. Ok, bon. On va prendre un véhicule un peu mieux. Parce qu'un vulgaire quad, non merci. Et on quitte la zone. Terminé les missions de chasseur de primes sont désormais disponibles. Mode contact un trevor par email pour lui donner des détails. D'accord, et moi tape. Eh bien, elle me contactera. Hein. Bon, monsieur, tranquille, monsieur. Ça va plus vite de passer par là. Oh. Get back here. You're not... J'y vais là, lui. Il a envie de mourir ou quoi? So we're headed to Los Santos, Finn? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Allez, monte. Have you changed your mind? T'as, il en faut du temps, hein, Speedy Tom. It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend in some place called Vespucci Beach. So, what's your stop? Family's important. Hey! Whoa. Not as important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines. Oh, four. But it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay. Oh, il y a de l'orage. Il y a même énormément d'orage. Poser des bombes collantes. Ah, ok. Faut tout casser. Inquiète, regarde tes bombes avant de poser. C'était pas la bonne. On va faire le tour. La prochaine caravane. Hop hop hop. Quand même attention, il y a un mec devant.
Oh. Whoa. Oh là 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 là. Bon, on va tenter le diable. On va passer au milieu de tout le monde. Waouh, c'est joli. Mais avant tout ma couille, on tue tout le monde. Et ouais, Ryu. Toi tu meurs couillé, ah ouais on va déglinguer. On les déglingue tous nous, on n'est pas un tueur. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi il s'enfuit ou je rêve? Non, le karma il m'a rattrapé par les fesses. Alors attends, il va me tuer et il va mourir aussi. Hop. Il a envie de mourir aussi, voilà. Toi aussi, voilà. Toi aussi, voilà. Il sait qu'il me tire dessus encore. Toi aussi, voilà. Et toi aussi, voilà. Et toi aussi. Let's go. Direction Los Santos. Screaming, but they're not knocking nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes, with my dead friend's alias, and my dead friend's family, and a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mind. Whoa. Yeah, I'll show you a fucking mind fuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, T. Trevor? Wouah, la vache. La voiture est dans un état. Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and... Right there. Los Santos. The end of the fucking earth. This is the place! I seen it on the holiday card. Il devait lui raconter une blague, mais il lui a pas raconté. Bon. Pourquoi pas? I guess it is.
long did you come here? But you got stuck in the desert. It's still San Andreas. Best part of the state. Whoa, 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 whoa. Ok, je suis mieux de me manger un sapin qu'un PNJ. Wow. So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years, which you'll keep for another day or so, huh? Mm-hmm. Allez, en route. Los Santos, the city of shitheads. Where else would he be? It's Vespucci Beach where he's staying. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah, yeah. Where were we? Right. So, ah, ouais. This kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. So she could make more money stripping. Maybe a little on the side. Can you give me some warning next time? Maybe a little on the side without call work. But you didn't hear that from me. Wow. And then... Oh. We're near Floyd Castle. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. It's straight here. Just straight over this one. I turn right here. Oh, je suis allé trop long. What is wrong with you? Keep it straight now. So, now here's like a right. This one's a left. Mm-hmm. This is the place. I think it is, at least. Ah. T'es un peu trop loin. Oh, c'est ici. Oh, ok. Come up here, Trevor. On arrive, Imhotep. Ok. Alors, on n'a pas tout réussi, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous continuerons notre histoire avec Trevor Phillips qui vient d'arriver tout simplement à Los Santos. J'espère que ça vous a plu, c'est seul que comme d'habitude, tu commentes, tu likes, tu partages si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, c'était Cipion, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao tout le monde.